C'est la première fois qu'on nous invite à l'Élysée avec tous les honneurs qui nous est dû. Et c'est très appréciable. J'en profite pour vous dire que la France, c'est mieux à vivre sous votre présidence, monsieur le président. Et c'est mieux que sous votre prédécesseur, Joe Dalton. J'étais quand même très énervé, mais pour... Non, mais c'est vrai, voilà, je tenais à dire que j'étais très heureux d'être ici. Le président de Bush fait comme s'il ne connaissait pas les lieux. Ce qui n'est pas exact. Car il y a quelques mois, j'étais donc tout à fait légitimement dans cette maison, car le suffrage universel m'en avait donné la légitimité, quand je vois un autre président arriver. Pas le précédent, pas le futur, non, Jamel Debbouze, qui venait tourner un film qui porte sur un événement important de notre histoire, qui est la marche des beurs, et ce collège de Trappes, il a permis à Jamel d'avoir cette carrière, mais à d'autres aussi. Car maintenant, chaque fois que je vois un artiste, je dis, bon, vous êtes de Trappes, vous étiez au collège. Même ceux qui ne sont pas passés au collège, c'est comme pour l'ENA, ils disent, moi, j'ai fait le collège de Trappes, et donc, je mérite d'être soutenu. Et c'est vrai qu'il y a eu dans ce collège, il faut saluer les enseignants et les principaux qui se sont succédés, cette volonté de pouvoir faire éclore un certain nombre de jeunes.